des chercheurs qui ont accès aux manuscrits, à Rue de Richelieu, etc. Bizarrement, le fait que ce soit un musée privé en fait un accès public, un accès grand public. Et je trouve que c'est un paradoxe, enfin une contradiction, et que je trouve intéressante et très prometteuse. Je trouve ça très très chouette. Et je suis pour ce genre de choses, je suis très, très heureux que ça existe. L'endroit est sublime. Hein, donc, L'exposition Romain Gary, des racines du ciel à la vie devant soi, se déroule au Musée des Lettres et Manuscrits du 3 décembre 2010 au 20 février 2011. Cette exposition va pour la première fois depuis 30 ans montrer au public les manuscrits originaux, les correspondances, manuscrits originaux, photos de Romain Gary. À travers les manuscrits, elle retrace la vie de cet écrivain aux deux Goncourt. Il obtient un deuxième prix Goncourt sous pseudonyme, Émile Ajar, avec le titre « La vie devant soi », chose inégalée puisque logiquement c'est impossible d'avoir deux fois le prix Goncourt. Ce qui fait le charme de cet homme, c'est effectivement qu'il était un véritable caméléon. Romain Gary est le seul écrivain au monde à avoir eu deux prix Goncourt, l'un sous son identité avec les racines du ciel et un deuxième prix Goncourt sous une autre identité, sous la signature d'Émile Ajar. Quoi qu'il en soit, le public va découvrir pour la première fois l'œuvre complète et originale. C'est pour cette raison que l'exposition va des racines du ciel à la vie devant soi en passant par la promesse de l'aube. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, ce soir, je suis très heureux d'ouvrir les portes de la première exposition consacrée à Romain Gary. Ce soir, nous rendons hommage à un grand écrivain français, un prestidigitateur de l'écriture et de la vie. Jaloux de son indépendance, cet humaniste au style flamboyant s'est toujours tenu à l'écart des chapelles et des coteries littéraire. Un très grand merci à M. Jean-Claude Vrin et les collaborateurs de sa librairie qui nous ont bien aidés dans l'expertise du fond et le décryptage des manuscrits. Enfin, un dernier merci aussi à toute l'équipe du musée des LMT Manuscrits, à Estelle Gaudry, notre charmante commissaire de l'exposition, et à toute la rédaction du magazine Plume. Je vous remercie pour votre attention. Voilà. Bien. Le musée des lettres et manuscrits, que vous connaissez maintenant, a le plaisir une nouvelle fois d'allumer le feu, ou plutôt d'allumer la flamme de l'intelligence et de la passion. Et ça tombe bien avec Romain Gary, puisque vous savez que Gary, c'est celui qui brûle, et que Ajar, c'est la braise. Mais pour vous parler de Romain Gary, tout d'abord, un mot d'introduction de celui qui est le parrain de ce musée, mon confrère et ami Patrick Poivre d'Arvor, et qui, dans un de ses nombreux ouvrages consacrés aux écrivains et aux aventuriers, a cité et a parlé de Romain Gary qu'il connaît bien dans un livre, si mes souvenirs sont exacts, qui s'appelle « Horizon lointain ». Patrick Poivre d'Arvor. C'est un homme dont on aurait aimé, en tout cas en ce qui me concerne, avoir la vie, ou plutôt les vies. Il a eu des vies tellement différentes. J'ai eu la chance dans ma vie de recevoir un jour un livre de lui, dédicacé, c'était son avant-dernier. Voilà, Gary, ressuscité grâce au musée des lettres et des manuscrits, c'est une très très belle opération et j'en remercie du fond du cœur Gérard L'Héritier. Vous allez découvrir ce soir, et ce jusqu'au 20 février 2011, les plus beaux manuscrits de Romain Gary, mais également ceux de Fosco Sinibaldi, Chatan Bogat et Émile Ajar. Un écrivain, quatre signatures. Je vous invite à découvrir les manuscrits et tapuscrits de L'homme à la colombe, signé Fosco Sinibaldi,
adaptée au théâtre sous le titre de Johnny Coeur, et Les Têtes de Stéphanie, signée Chatan Bogat. Mais ce soir, une surprise de taille vous attend. Une pièce capitale, totalement inédite. Le premier roman de celui qui s'appelait encore Romain Kassef, roman écrit à l'âge de 17 ans, intitulé « La geste grimaçante ». Sur la demande de son auteur, ce roman n'a jamais vu le jour. Sur la couverture du cahier qui le renferme, un an avant son suicide, Romain Gary stipule « Ce roman ne doit pas être publié, il peut être ouvert. C'est aujourd'hui chose faite. Un grand merci à son fils Diego Gary. Le tapuscrit est révélé au public ce soir et vous serez les premiers à le découvrir. Je vous souhaite une bonne soirée, une excellente visite, guidée pour ceux qui le souhaitent par Estelle Gaudry, commissaire de l'exposition. Bonne soirée. » C'est une belle exposition. J'ai trouvé, on apprend plein de choses sur Romain Gary. La mise en page est bien faite, le catalogue est superbe. Que des compliments, en fait. Je ne vois pas de choses négatives à dire. C'est dommage. Qu'est-ce que je pourrais dire de négatif? Non, je ne trouve pas. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement des livres, c'est aussi des extraits de notes ou des brouillons. Ça donne un peu une idée du processus de création et c'est intéressant. Je suis venu parce que Romain Gary, c'est un auteur que je trouve capital. Hein, j'avais lu dans la presse qu'il y avait des originaux qui étaient exposés. Moi, il y a deux livres qui m'ont transporté quand j'étais jeune. C'était La promesse de l'aube et L'éducation européenne. Et de voir les manuscrits de ça, voir les dactylographies retouchées, ça fait un drôle d'effet. Hein. Moi, je conseille aux gens de venir voir ça, parce que ça fait un drôle d'effet. Quoi. Puis de voir après les télégrammes de Gallimard disant pas d'accord pour ce titre. Ouais, je trouve ça chapeau, quoi. Chapeau d'avoir rassemblé ces objets. Je suis très heureuse, je pense que c'est une très belle réussite, très bien orchestrée par Estelle Gaudry. Elle a su faire vraiment une exposition comme il fallait. Voilà, tout y est, les plus beaux manuscrits, avec une belle mise en scène. Je pense que ça va être un grand succès.